kai benako basanga kudilwe nulwe tulwa panu basanga mujiji bamba bwa kupeta mujishika mingi tujula itala yetu ifo niko nanye matukumulongo tuilemu batangile kumpala wakashiji mungu pole minu batu bachisumi ujisululu chamujimu wetu netuipake jitunga jipiteja kumpala mungu pole pamwe na mwagu imbai musamu wagu neme wagwe na mungu wenu neme gelai nebu jisu jibendele jamushima jabuti pajiti wenu jipajalu pemba jakudibanyika Oui, tu as un peu de temps. Même le gouverneur, le gouverneur,
Bonsoir à tous, chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Génor TV. Aujourd'hui, nous recevons dans notre programme de micro-baladeur de la chaîne YouTube un acteur politique qui s'appelle bien Monsieur Léon Ndambi Kazaku, qui va nous parler un peu en tant que fils du terroir, soit fils de la province du Kasai Central. Comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour le développement de cette province qui longtemps est en train de tournoyer? Bon, et quelle est la situation actuelle avec Monsieur Léon Ndambi? Il va nous dire ce qu'on peut faire pour que notre province puisse connaître aussi un développement comme toutes les autres. Monsieur Léon Ndambi, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, on vient de vous présenter. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez, ce qu'on peut faire de façon que la province du Kasai Central puisse aussi connaître un développement durable par rapport à ses propres fils qui sont ici en province du Kasai Central. Merci bien pour l'opportunité que vous me donnez ce matin pour que je puisse parler de ma province. Comme vous l'avez dit, M. Léon Ndambi, c'est un acteur politique de la province. Il faut ajouter que je suis né ici, j'ai grandi ici. J'ai passé tout mon temps ici, en dehors du temps que j'ai passé à Kinshasa pour les études universitaires. Si vous parlez du développement du Kasai central aujourd'hui, avant de parler du développement, il faut que l'on comprenne d'où nous venons et où est-ce que nous sommes aujourd'hui arrivés. Il faut dire que la province du Kasai central, c'est une province laissée pour compte. Et cela depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale et nationale. Cela veut dire que ce soit au premier gouvernement de la République, c'est-à-dire le gouvernement Lumumba, que ce soit la deuxième République sous le maréchal Mobutu, que ce soit le gouvernement de la Kabylie, c'est-à-dire Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, je dois affirmer qu'il n'y a aucun projet qui a été réalisé dans cette province. C'est vous dire que tout ce que le Belge avait laissé depuis 1960 est en train d'être détruit. Et nous restons, nous vivons cela avec impuissance.
la situation s'est vraiment détériorée au point où aujourd'hui ça demande la fédération des énergies des fils et filles de la province. Dieu merci, à l'avènement du président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, on a eu l'espoir. L'espoir pourquoi? Parce que lorsque nous voyons dans son programme, parmi les piliers de son programme, il y avait l'homme. Parce que l'homme est au centre de tout. Donc ici, dans cette province, nous avons un problème d'homme. Et le jour que nous allons vraiment trouver la solution au problème d'homme, alors en ce moment-là, nous allons parler de développement. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que si aujourd'hui les fils et filles du Kassa Central ne comprennent pas que l'ère de la Kabylie est passée, l'ère de Bouboutisme est passée, et qu'aujourd'hui nous avons un don de Dieu en la personne d'Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi pour que nous puissions fédérer les pouvoirs par rapport à sa vision, je crois que nous serons toujours une province laissée pour compte. Vous-même, vous voyez ce qui se passe. Il y a eu le projet de 100 jours. Dans cette province, rien n'a été fait. Les gens ont détourné l'argent. Et aujourd'hui, personne n'en parle. C'est le silence cercueil. Il y a eu le projet Tshilegelou. Vous voyez comment il piétine. À Kinshasa, il y a des travaux qui sont réalisés. À côté de nous ici, au Kassa Oriental, le projet Tshilegelou avance bien. Ils sont même dans, ils sont dans la finition même de ce projet. Ils sont à la dernière étape du projet. Mais ici chez nous, vous voyez ce que ça fait. Vous voyez comment les routes avec les petites pluies qui se sont abattues sur la ville, vous avez vu comment on ne sait même pas utiliser nos routes. Donc, c'est vous dire que nous avons un problème. En dehors de cela, il y a le projet, comment on l'appelle, volontariste. Le matériel est déjà arrivé à destination. Ce matériel-là est en train de pourrir, s'il vous plaît, et personne n'en parle. Que ce soit le gouverneur intérimaire qui est là, il ne parle pas du projet volontariste. Que ce soit nos députés provinciaux, ceux-là d'ailleurs on ne peut même pas en parler parce qu'ils sont à la hauteur, ils ne sont même pas à la hauteur de ce qu'ils peuvent, ils ne comprennent même rien de ce qu'ils peuvent faire. Et c'est bizarre tout cela. Donc vous voyez qu'on ne parle pas et ce sont des millions qui sont en train de pourrir à Lubondaï là-bas. Parce que tous les matériels les ont là, personne n'en parle. Il n'y a pas longtemps, on nous a parlé de la relance des chutes Katendi. Et qui a le premier lot de matériel qui arrive à Tshimbou. Nous en sommes contents et nous estimons que, avec la volonté politique du président de la République, je crois que cette fois-ci sera la bonne. Parce qu'avec cette chute, il y a eu beaucoup d'encre et de salive qui ont coulé. Il y a eu beaucoup de contrats signés même sur le boulevard. Là, autrefois, je ne sais pas si vous avez vécu ça. Kabila lui-même était là, les ministres étaient là, ils ont signé des contrats et ça piétine toujours. Mais nous pensons qu'avec la volonté du chef de l'État, nous pouvons avoir ces chutes. Et c'est ça le projet que nous attendons. C'est le projet que nous souhaitons de tous nos voeux. Parce qu'avec l'électricité, il y a beaucoup de choses qui vont se greffer. Lorsque nous avons l'électricité, nous aurons de l'eau, facilement. Si nous avons l'électricité dans cette ville, il y a des investisseurs qui viendront investir, qui viendront créer des sociétés pour absorber le chômage et pour pouvoir booster un peu le développement. Mais dans l'entretemps, il faut dire que
la gouvernance de la province est opaque dans l'entretemps. Cela, vous pouvez bien le comprendre à travers le projet, c'est pas le projet, mais les fonds qui ont été transférés dans le cadre de la rubrique acquisition et investissement. Cet argent est arrivé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement provincial a opté pour le marché gré à gré. Donc ils se sont retrouvés quelque part dans un salon avec les députés. Ils se sont partagés le projet. C'est de cette façon-là que l'allotissement s'est fait, d'une manière opaque. Les lots qu'ils ont choisis, est-ce que c'était dans le budget? La population ne comprend rien. Mais pourquoi avoir choisi le marché de gré à gré, lorsque nous savons qu'avec le marché public, le gré à gré, c'est une exception. Le gré à gré, c'est une exception. La règle, c'est l'appel d'offres. Et pour arriver à opter pour le gré à gré, il y a des conditions qui sont énumérées. Il y en a 5 qui sont énumérées dans la loi. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui pouvait amener le gouvernement à choisir le gré à gré. Le gré à gré, bien aimé, on peut parler français. Le gré à gré, les gens ne comprennent pas. Le gré à gré, c'est le COP, ce qu'on dit en lingala, là, COP. C'est-à-dire que quelqu'un est assis chez lui, on l'appelle, on lui dit, monsieur, venez. Nous avons de l'argent ici qui est transféré par le gouvernement de la République. Nous avons choisi tel projet, nous te le donnons. Il est prévu peut-être 100 000 $. Donc vous prenez 60, vous nous donnez 40. Parce que nous sommes nombreux, nous allons distribuer cet argent. Et quelqu'un qui est assis chez lui, vous l'appelez comme ça pour lui donner de l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça le COP. Et ce sont des histoires que nous ne pouvons pas accepter au jour d'aujourd'hui. La règle est là. Même si on ne pouvait pas faire l'appel d'offres comme tel, mais il y a une brèche, appel d'offres restreint. Parce que celui-là, il va faire quoi? Même si c'était urgent, on va raccourcir les délais de 120 peut-être à 60 jours. Vous voyez que ça peut marcher. Mais pourquoi choisir seulement les gré à gré? Donc les gens ont voulu seulement se distribuer l'argent. C'est pourquoi nous invitons l'IGF. Parce qu'avec l'IGF, ils auront accès à tous les documents que nous ne savons pas accéder aujourd'hui. Mais ce qui est vrai, qu'en choisissant les gré à gré, les gens ont voulu faire le COP. Mais quand on fait le COP, ce sont les gens qui n'ont pas compris que les choses ont changé. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de Fatih. Il faut vraiment que nous puissions lutter contre la corruption. Il faut que l'homme change la mentalité. Dès lors que les gens n'ont pas encore compris cela, même si vous avez un bâton magique pour gouverner cette province, ça n'ira pas. C'est pourquoi moi je veux que les gens puissent aller en prison d'abord, pour que les autres comprennent que non, les choses ont changé. Parce que si on ne sévit pas, les gens vont comprendre comme si on était encore dans la Kabylie, on peut se partager l'argent. On peut bouffer l'argent de l'État, personne ne peut s'en occuper, comme dans la province, nous avons la société civile qui ne dit rien, qui ne fait rien, qui est des hommes. Non, il ne faut pas parler des hommes. Les hommes, ils sont des hommes. Les hommes ont l'air de faïence, les hommes ont l'air vertu, les hommes ont l'air de faux. Mais parlons des choses qui peuvent intéresser la population. Parlons des choses de grande importance, de choses qui intéressent la population. C'est comme la misère dont nous vivons. Ça intéresse la population. Nous ne pouvons pas comprendre que l'argent vienne pour les investissements et que les gens se partagent l'argent et les gens se taisent, les gens n'en parlent pas. C'est très grave ça. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait des projets pour lesquels les chefs de l'État a donné l'ordre, le gouvernement de la République a sorti l'argent, et ce projet piétine, on ne fait rien, on ne dit rien. Non, nous sommes dans la jungle, quelque part. Monsieur Léon Ndami Kazakou, acteur politique, fils de la province du Kassai Central, si c'était vous, qu'est-ce que vous devriez faire pour booster le développement de cette province? Non, c'est comme je vous ai dit, le développement va venir avec l'électricité. Mais en attendant que le projet Katenekom, comme le chef de l'État, son Excellence
M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a relancé. Nous savons qu'il a de la volonté. Et nous pensons que, avant la fin de ce premier mandat, nous aurons l'électricité. Mais en attendant, il faut avoir des solutions structurelles. Il faut avoir la politique provinciale. Il n'y en a pas, bien aimé. Il n'y a rien ici. Les gens tâtonnent. On n'a jamais fait des états généraux dans cette province. Comment on peut avoir une politique provinciale? 6 mois. Il m'était donné de devenir gouverneur de province. Bon, le poste que je n'en vis pas tellement parce que c'est une fonction qui est fragile. Une fonction fragilisée par la Constitution. Donc il suffit qu'un député se réveille le matin, qu'il dise que nous ne voulons plus de ce gouverneur, et il s'arrange et puis vous partez. Donc moi je n'en vis pas. Avec la constitution actuelle d'être gouverneur. Mais s'il m'était donné d'être gouverneur de province, je crois que la première chose, c'est de faire l'état des lieux. En faisant l'état des lieux, nous devons faire les états généraux. Ce sont les états généraux qui vont nous permettre de planifier, de faire un plan, du travail provincial, de projeter ce que nous devons faire. Parce que on ne peut pas venir avec la situation actuelle de notre province, on ne peut pas amener un projet, on ne peut pas amener de projet dans la poche. Non. Il faut venir voir la réalité. Parce que tout est à refaire dans cette province. Tout alors. Et pour refaire tout, il faut l'état des lieux. Les états des lieux, c'est dans les états généraux qu'on fait. Parce que dans les états généraux, on va appeler les spécialistes dans tous les domaines. Ce sont ces spécialistes-là qui vont faire l'état des lieux et qui vont projeter ce que nous devons faire. Et c'est à partir de cela que nous allons gérer la province. On ne peut pas gérer la province par un bâton magique ou croire que seul, quand on devient gouverneur, on peut tout faire. Non. Mais moi, je souhaite, comme il y a les élections prochainement, pour le poste de gouverneur, je préfère et je souhaiterais que le gouverneur qui vient soit de l'Union Sacrée, soit un gouverneur qui est dans l'obéissance du chef de l'État, soit le gouverneur qui comprend la vision du chef de l'État. Parce que tout ce que nous pouvons faire ici doit se greffer autour de la vision du chef de l'État, autour de la manière de voir les choses du chef de l'État. Si vous venez, que vous n'êtes pas de l'Union Sacrée, moi je ne vois pas comment vous pouvez travailler. Parce qu'aujourd'hui, notre problème c'est de soutenir le travail du président de la République, soutenir l'idée du chef de l'État, soutenir la vision du chef de l'État, pour pouvoir changer les choses dans ce pays. Et cela passe par les changements de la mentalité de tout homme, de tous les Congolais et toutes les Congolaises, particulièrement de tous les fils et filles de la province du Kasaï central. Donc, en bref, il n'y a pas un bâton magique pour pouvoir booster la province au développement. Ce que nous pouvons dire, c'est que tout le monde fédère les énergies, que tout le monde comprenne, que nous avons été une province qui a été laissée pour compte, abandonnée à son triste sort, que ces gens puissent comprendre cela avant de penser au développement. Et je crois que c'est un peu ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Monsieur Léon Ndambi Kazaku, acteur politique et fils natif de la province centrale, la chaîne YouTube Génor TV vous dit grandement merci. Mais j'avais un truc, hein, un petit mot aux politiques du Kasaï central, parce que nous allons toujours en ordre dispersé, cela ne va pas nous avancer. Il faut que l'on comprenne que nous n'avons pas une autre nation que la RDC. Il faut que l'on comprenne que nous, les fils et filles du Kasaï central, nous n'avons pas une autre province que celle-ci. Et pour cela, nous devons
conjuguer les efforts ensemble. Nous devons fédérer les énergies, nous devons regarder dans la même direction, nous devons soutenir l'action du chef de l'État, nous devons marcher, nous devons nous ranger derrière la vision du chef de l'État pour pouvoir penser au développement. Sinon, si nous allons alors disperser, je crois que ça n'ira pas. Ça n'ira pas parce que les gens d'ici sont toujours habitués à parler des hommes. Non, ce sont des esprits mesquins qui parlent des hommes. Ce sont des petits esprits qui parlent des hommes. Parlons Kassai Central. Parlons développement Kassai Central. Vous verrez que les choses vont marcher. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur le journaliste. Chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Génor TV, vous venez bien de suivre l'acteur politique Léon Ndambi Kazakou qui vient de nous parler normalement sur le développement de cette province. Il sera notre invité dans notre émission Kananga, parlons-en. C'est une émission qui va se passer demain. Alors, on va parler sur la chute Katende. Il sera notre invité de marque. Soyez là, soyez toujours branchés. Il faut aussi s'abonner pour qu'à chaque fois qu'il y ait une publication, que vous soyez aussi notifié et voir quelles sont des nouvelles publications que Génor TV est en train de mettre dans votre disposition. On vous dit grandement merci d'être là, nombreux, en train de suivre les images de Génor TV. À la prochaine, on va se voir. Toutes de bonnes choses. Technologique nous ouvre les voies d'or pour se connecter avec les mondes et s'adapter dans sa dimension actuelle d'un village planétaire. Aujourd'hui, grâce à la chaîne YouTube Génor TV qui dispose d'une télévision en ligne, vos activités des différentes catégories ont eu le ciel ouvert. Les activités religieuses, voire les cultes en direct, les activités sportives, mariages, culturels, politiques, agricole, environnementale, économique, voire commerciale, sociale et d'autres. Génor TV est un œil plus gros que le monde. Des animations, des émissions vidéo, des domaines différents, grâce aux matériels impeccables qui donnent des images, des qualités et des sons audibles des studios. Une possibilité d'avoir vos activités en direct, soit via les comptes YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, voire même Facebook. Pour plus de précisions, contactez 09 744 671 085 04 39 515. Bishop Frank Ogivaldo, il est que Dieu vous bénisse pour cette initiative.